chers téléspectateurs, bienvenue dans votre chaîne Média Plus Télévision. Je suis votre présentateur Providence Locouli, autrement appelé le nationaliste. Nous sommes dans cette rubrique spéciale Patriotisme Plus. Aujourd'hui, je reçois pour vous deux invités avec qui nous allons pouvoir échanger sur les différentes actualités dominantes du pays. Je suis sur ce plateau avec Joseph Ondochankoi Chocha, le nationaliste qui est le coordonnateur du mouvement jeunesse nationaliste panafricaine. Bel et bien, nous le partageons aussi, ce plateau, avec Alain Moulumba qui est activiste au sein du mouvement citoyen Filimbi. Je commence avec le coordonnateur Alain, que je salue. Bonjour Cordon. Bonjour chère Providence. Et sinon, en syncrétisme, c'est quoi le mouvement citoyen Filimbi? En fait, Filimbi, c'est un mouvement citoyen, un mouvement de veille des consciences, un mouvement de gens qui parlent du Congo, un mouvement de défense des droits humains. Filimbi, c'est un nom swahili qui signifie tout simplement siffler. Alors nous sommes là pour alerter à chaque fois où on trouve les choses qui ne marchent pas. Et sinon, c'est facile pour vous de le faire? C'est pas du tout facile. Vous ne subissez pas de répression? On a tant subi de pression avec le régime passé de M. Kabila et nous continuons toujours à subir ces pressions, mais nous exerçons normalement nos droits qui sont liés à nos devoirs. C'est pourquoi nous existons. On n'a pas peur de pression, on n'a pas peur de qui que ce soit, mais nous existons, nous sommes sinon, là. Nous allons vous revenir. Joseph Ondochankoi, bonjour. Bonjour, monsieur Providence Locouli. Et sinon, c'est quoi la JNP? La JNP, c'est une structure des jeunes dénommée Jeunesse Nationaliste et Panafricaine. La JNP a des objectifs. Il a un but, il a aussi un objet social. Et c'est laquelle? Donc, le but principal de la JNP, c'est la réussite de la jeunesse. C'est-à-dire, la JNP veut voir comment les jeunes Congolais réussissent. Donc, ils veulent voir la façon dont la jeunesse congolaise va réussir dans tous les domaines. Quelles sont vos différentes actions phares depuis que vous existez? Nous avons eu à faire au moins trois actions phares. La première, c'était juste une spot publicitaire sur la lutte contre la délinquance juvénile dans certains coins de la ville de Kinshasa. Dans certains coins de Kinshasa, nous avons eu à faire une spot publicitaire. Nous avons eu aussi à faire une descente sur terrain pour dire non au projet de Tracé Aqua. C'est un projet qui nécessitait de... Et vous avez tenu cette action où précisément? Au devant de l'ambassade du Tchad. Et nous avons eu à mener cette action. Et puis après cette action, nous avons été invités au ministère des Affaires étrangères, dont nous avons eu aussi à faire de plaidoyer au profit des pêcheurs qui ont été arrêtés sur le lac Édouard. Abusivement. Ah oui, oui. Comme ils ont été arrêtés. Et on a vu aussi la fois dernière la JNP au devant de la MONUSCO. Ah oui, ils sont partis déplorer sur les massacres en réitération dans la ville de Beni. Pourquoi la MONUSCO est là, mais il y a eu toujours des massacres comme s'ils étaient défaillants de leur travail dans les coins de la RDC. Sinon, comme vous voyez, mes deux invités, vous le constatez, aujourd'hui, c'est ensemble avec eux que nous allons pouvoir parler de l'actualité dominante. L'affaire Caméré, enjeux, perspectives politiques. Et aussi, nous allons parler de cette affaire confinement, enjeux et dangers économiques, sociologiques sur ces plateaux. Et sinon, quant à moi, le réalisateur va essayer de nous balancer un trick question pour nous de se rafraîchir et ainsi de poursuivre cette tranche avec mes deux invités. Merci. Président,
N'inquiète pas, que y a un chargement. Là où la police a vraiment chargé son arme. Donc, nous sommes de retour sur ce plateau. Nous vous rappelons que l'émission est bilingue. Donc maintenant, vous signalez déjà bateau Bazali Banda Bakota parce que Makamwe Bandi. Et sur ce, nous parlons de l'affaire Kamere. Monsieur Joseph Ondo Tchankoy, Alain Moulumba, activiste au sein du mouvement citoyen Filimbi. Quelles ont été vos impressions dès lors que vous avez entendu que Monsieur Kamere fut interpellé? Oui, merci beaucoup pour la question. Premièrement, c'est quelque chose, c'est un soulagement pour nous. C'est un soulagement par rapport à quoi? Par rapport à qui? Ça fait longtemps qu'on ne parlait pas des grandes autorités, de gens qui occupaient des fonctions nobles à la tête de ces pays. Ils étaient considérés comme des nobles, des personnalités privilégiées, des gens qui ne peuvent pas être interpellés par la justice congolaise. Depuis Mobutu jusqu'à ces jours, depuis d'ailleurs Kasavubu, je n'ai jamais entendu l'interpellation d'un directeur de cabinet du chef de l'État. Pour nous, c'est une satisfaction, vu que nous sommes en train de militer pour un État des droits. Un État où il y a l'égalité de chance, l'égalité des droits, l'égalité entre les hommes privilégiés et les hommes non privilégiés. Et aujourd'hui, on constate que le pourquoi de notre lutte, le sens réel d'un État des droits est en train d'être instauré dans notre pays. On s'en félicite, on dit que non, la justice est indépendante. Mais Balobi va constater que Bino activiste, vous s'appelle Mingi Tangloka qui est de comment la mboka caméra Zala qui est interpellé. Vous postez en mona bastati, vous avez un problème personnel, la mboka caméra est tenu. Jamais. Biso toi un problème personnel, la mboka caméra est tenu, mais biso toi un problème. 15 millions, biso, biso, après, Bokenda Tina Oya, Botondi Sabatou. Tokenda Rana. Après, en gros, le bio traité Zala qui vient te la Oza. Se poser question à faire 15 millions nana a hébité en moko 15 millions et bonga bongwana jusqu'à présent nous de la société civile on est en train de réclamer la vérité sur cette affaire sur cette somme de 15 millions jusque là la justice le dossier était dans le main de la justice il faut que la justice aujourd'hui aibe c'est sûr que 15 millions on a kinda wapi nous on n'a pas de problème avec des individus nous insistons on n'a pas de problème avec des individus mais on a des problèmes avec le système que ces individus-là placent. Ces systèmes-là, si ça ne répond pas, si ça ne cadre pas avec les avantages, l'intérêt de la population, on est là pour dire non, voilà, monsieur, quel que soit ton rang, quel que soit que tu peux être président de la République, directeur de cabinet d'un président de la République, ministre ou qui j'en passe, tu dois avoir le mouvement Filimbi, les citoyens congolais devant toi pour te dire que niet. Ça ne cadre pas dans l'intérêt de la population. Sinon, Joseph Ondo Tchankoy, quelles sont vos impressions de lors que vous avez constaté Monsieur l'honorable Kamere être interpellé par la justice congolaise? Oui, c'est l'une des avancées. Je dirais, je ne peux pas réfléchir comme un sentimentaliste, je réfléchis comme un scientifique. L'interpellation de M. Vital Kamere, c'est l'une des avancées, qu'on se le dise clairement. Mais que ce ne soit pas une affaire politique qui se cache derrière la justice, c'est ça c'est que nous devons déplorer. Alors, nous aimons que cette affaire parte jusqu'au bout. Nous aimons une bonne finalité de cette affaire, puisque c'est encore au début jusqu'à présent, il n'est pas encore condamné. Il n'est pas encore condamné. Malgré qu'il est en détention provisoire. Mais
La population, le souhait de la population, c'est voir l'indépendance totale de la justice. C'est ça ce que nous aimons, que l'on voit aujourd'hui qu'en Providence, le coulis, un homme pauvre qui est en face d'un homme riche devant la justice. Et si tu as raison, on te donne raison, quelle que soit ta pauvreté et quelle que soit ta richesse. Si tu as raison, on te donne raison. Et alors, Joseph, nous vous avons invité ici parce que nous savons que vous êtes politologue. Sinon, que dites-vous de cette affaire? Il n'y aurait pas eu une main noire politique derrière cette arrestation provisoire de M. Caméré? Oui, d'après moi, je peux dire oui. Je peux dire oui, mais je peux dire non. C'est-à-dire oui, pourquoi? Puisque avant, les militaires de l'UDPS n'aiment pas du tout Vital Caméré, qu'on se le dise. Il est sûr de ça? Oui, je suis sûr, puisqu'il les traite de tous les mots, que c'est un caméléon, c'est un homme qui change de face. Et ce n'est pas que les militants, mais une partie de la population, y compris même ceux de l'opposition, traite Caméré comme un caméléon, comme si c'est une personne qui change de face. Et puis je vois, vu les accords de Nairobi, qui nécessitait qu'en 2023, si seulement si que le président de la République, Félix Antoine, accède au pouvoir, il doit soutenir Vital Caméré en 2023. Alors, je vois que c'est politisé. Dans quel sens? Dans le sens où les propos tenus par Jean-Marc Kabundu, qui disait « Félix sera au pouvoir jusqu'à l'arrivée de Jésus ». Là, je ne me contredis pas. Et je ne mens pas, ce sont des évidences, c'est réel, ces propos. Alors, comment vous êtes entendu avec votre ami qui vous a soutenu bel et bien dans les élections? Vous êtes passé, vous avez été élu et vous avez le pouvoir. En 2023, il se prépare de sa façon pour postuler afin que vous puissiez le soutenir. Il aura de la chance d'accéder au pouvoir. Mais vu qu'il y a des chamaillements, donc il y a une main donc, forte. Vous, ça serait peut-être une façon de pouvoir se débarrasser de M. Caméré. Oh, tout à fait. Tout de à la fait. Part du parti UDPS. Tout à fait. C'est l'un des stratagèmes qui pousse à ce que le président Félix se sépare de Vital Caméré. Vous comprenez un peu? C'est l'opinion qui sont en train de vous suivre. Je pense que vous avez très bien jalonné la question. Sinon, Maître Cordon Alain Moulumba, nous revenons avec vous. Que dites-vous de cette déclaration de militants de l'INC qui crient à l'acharnement, qui crient à la diabolisation à l'égard de leur président Vital Caméré suite à ces dossiers judiciaires? Premièrement, merci aussi pour la question. Et avant de répondre à cette question, il faut que je contredise mon frère. Le débatteur. Ouais. En fait, nous devons faire la part des choses. Il ne faut jamais comparer ou jamais prendre les actions juridiques, les décisions juridiques, pour les confondre avec des décisions politiques. La politique, elle est politique. Et notre justice est censée être indépendante. Et aujourd'hui, quand notre justice convoque M. Caméré à... Voilà, bébé. C'est quoi ça, mais... Aujourd'hui, quand notre justice, qui est censée être indépendante, appelle M. Caméré pour comparaître, cela relève de la responsabilité et du droit de la justice qui est censée être impartiale, indépendante, qui ne subit pas des injonctions d'une autorité, d'un parti politique UDPS ou d'un parti politique UNC. Moi, je trouve ça, c'est ça l'état des droits que nous avons tant voulu. C'est ça l'état des droits, l'indépendance de la justice qu'on a tant prôné. Et moi, je ne peux jamais commencer à commenter les actions de la justice. Il faut que notre co-débatteur sache très bien que
la justice est leur indépendante. La justice où aujourd'hui quand M. Kamir est devant le tribunal, c'est ça, c'est l'UDPS qui est à la base. Non, il faut au moins être fier que voilà, nous avons aujourd'hui une justice qui interpelle n'importe qui. Ils ont des diabolisations, ils ont des acharnements. Pour tout le monde, ils ont des acharnements. Ils ont des acharnements. Ils ont des acharnements. Ils ont des acharnements. Azala candidat en 2023. Batwa INC nde banani ba oyo ba uti ko mona na président Mukonza Mboka parce que na moni bureau politique nyo soit UDPS au même moment que monsieur Kamir Azagi na tribunal bureau politique nyo soit ya UNC ba kenda ko kutana na monsieur Félix après sorti na bango ya audience o ba yambaki bango ba lobaki que non voilà biso toyaki kosolola na mokonzi ya mboka pona évolution ya coalition na biso en cash UNC cash donc makambo a justice to boyi kokota na makambo na yo politique moko te zaliawa bango moko bango mokonzi na bango azana boloko mais bango moko balobaki ke mokonzi ya mboka koki kokota na makambo a justice te na biso pe to kokota na makambo a justice te c'est là. Est-ce que vraiment c'est normal na ranger à mutuloro la caméra ba ke ndo tchaye mbalamoko c'est mbalamoko na na mandat d'arrêt provisoire c'est normal na résidence surveillée c'est normal monsieur Kamir Azza simple directeur ya cabinet ya mokonzi ya mboka monsieur Kamir Azza juste un administrateur azawana pona ko sala maloba makambo mokonzi ya mboka ayibisaye. Mwana mboka Kamere aza mutu individu citoyen neti ngai neti yo soki lelo ba bengiye aya comparaître il doit aussi kotosa mibeko kotosa justice ndenga kendaki wana c'est ça la citoyenneté soki sikoyo ke tribunal ba juge ba monike ba fait oyo aza nango eza ba fait moko grave hein ba koki soit ko pesa ye liberté pour ko tia na résidence surveillée ou carrément ba kangiye pas que ba kangiye parce que jusqu'à présent monsieur Kamir ba kangiye te ba tie ba tie na 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 arrêt pour sous mandat d'arrêt provisoire na ba kangiye te ce qui sikoyo que ba avocat na ba monique non il faut to singela mwana mboka liberté moko provisoire ba koki kokoma ba zape na droit wana ba komi ba pesi ce qui ba juge bandimi ba tiki ce qui bandimi te a kotika la kuna na makambo lelo yebo mamboka na biso ezaka non non rana ye mon tutel donc ye aza citoyen koleka yo ye aza citoyen koleka ba onyo so ba za na prison ba zo lala kuna na prison sans jugement Aza pe citoyen et tibiso. Tous aza député kutu. Ceux qui aza ki député, ceux qui aza ki député, balinga d'abord ba lungola immunité na ya ki député ne ba bengisi esko na justice. Mais moi na mboka Vital Kamere, aza directeur ya cabinet ya chef de l'État. Aza redevable devant la justice. Aza redevable d'ailleurs même devant OPJ, aza redevable. Il faut akinde kuna ayoka. Ni angwana. So kisiko infraction za flagrant ningi za angwana. Wana mbala moko batindie batena na miza o ba ngaholo bango kutu miza quarantaine ningi batie ba isolé na famille na ye ba isolé na famille na ningi ba isolé wana siko yo balandeli dossier na yeso ba mon dossier na ye za kravana siko yo batindie ango devant les instances habilitées pona ke ba jugeye. Sinon, nos milliers de téléspectateurs, nous sommes toujours dans votre tranche Patriotisme Plus. Donc, nous sommes en train de continuer notre mission avec Alain Moulumba, qui est un activiste pro-démocratique au sein pro-démocratie au sein du mouvement citoyen Filimbi, le vice-président de la jeunesse nationaliste panafricaine, Joseph Ondo Tchankoy. Affaire Kamere na ngonde tozo sani, tozo continue na mokolo ya lelo. Moi na mboka Joseph Ondo Tchankoy. Tongo moni moi na mboka Kamere, ko utaye na parke ya matete, kino komemama na ye na makala.
qui ba image nde ba toyi nte ba koloba quel avenir et tant que politologue au copé ça na coalition cash au ezali coalition to plateforme esangisi ba parti monene o ya IDPS na INC. Oui, je vois que avenir na bango na moni ki avenir na bango est sombre. Avenir ya coalition na bango est sombre. Dans quel sens? Dans le sens où l'autorité morale à UNC a subi humiliation. Peut-être qu'il y a yemoko mutu a linga ki yango ezala sérieusement que bah détournement wana ou corruption est réel. C'est que yemoko mutu a linga ki a humilié de cette façon. Mais après humiliation, je pense que bah militant ya il y a UNC, c'est une humiliation wana ata mokete. Yango bango posa na bango eza que ba soutenir autorité na bango. Mais vu qu'il y avait des menaces tout au début, il y a un ministre, il y a un ministre ya UNC pour na ko démissionner. Na Congo ndeza ki fanatisme. Même okonzi na bino soka sali mabe ba ko interpeller. Ba ko kangai, ba ko kazana mabe, il faut ko défendre et kaka. Non, ba ko mi ko bo umu na kati ba parti politique toni. Yango tozo senga na baninga na biso nyonso place nyonso bazali. On ne peut pas défendre ce qui est indéfendable. C'est-à-dire, ce qui est sali mabe, il faut pas kangaye. Moutounyo soit ko sala mabe, quelque chose nani, il faut pas kangaye puisque moutou eloko eza likolo ya batounyo soza ka constitution mibeko ya mboka. Mibeko ya mboka. C'est-à-dire comme disait un auteur alobitango ye akindaka na Amérique kota la démocratie Amérique et lokoye akutaki ke ba Amérique ba bangaka mutute ata ozana ni bakoki ko bangate mais eloko ba bangaka eza mibeko ya mboka na bango yango biso ozalozana ni il faut ko tosaka mibeko ce qui ba moni ke o détourner puisque moi je peux pas affirmer que c'est réel à détourner malgré ça na détention provisoire. Mais tant que vous condamnez, vous réunissez la preuve, vous avez mis sous mandat d'arrêt provisoire. Oui. 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 Il est sous mandat d'arrêt provisoire. Maintenant, vous avez condamné. Il faut maintenant réunir la preuve. Oyo eko kiko la ki sa ke mon ambo kakamere a yibaki to a detournaki c'est à ce moment là nde ba condamné ce qui ba condamné to koki ko loba mingi te peu importe makambo politique o nini nini mais justice ezui makambo na maboko maintenant justice esala musala nango pourquoi ba to bazolinga ko crier parce que ba moni la population congolaise en général n'a plus confiance aux autorités. C'est-à-dire nous sommes ba autorité ba kosala ba komona kaka politique. Vu que ba yeba que la justice n'est pas indépendante dans notre pays, nous sommes koleka pour le moment famille politique telle zostongolo pakala ba koloba keza politique muteza sima ya makambuana. Yango tozoloba que ezala réellement l'indépendance judiciaire ezala réellement va travailler sans qu'il y ait une main noire derrière cette affaire. Sérieusement, que Ndekonabiso Ayibaki va condamner. Puisque nous sommes pour Tozo Linga avancement, il y a pays Nabiso, nous aimons le développement de notre pays et un état de droit réel. Nous allons vous revenir. Sinon, Alain Moulumba, moi l'amboka. Tomoni, Batoyi, NC, Bakoloba, acharnement à faire Oyo. Yotongo landi ba element wande ba memi mwana mboka Vital Kamerhe kolongwa kaye na parke kino na makala lokola mutu nyonso yoko mona avenir ya plateforme oyo kache lolenge nini. Merci beaucoup pour la motuna oyebi déjà que position nangai et position kutu ya bato ebele confiance na ba politicien na biso ezali susuté. Confiance wana na ndenga ki ba politiciens le lomboka oyé
et qui ont bien été à cause de la politique, on a mis bien cravate. Hein, bah tout moni bien bah la série bah la petite cravate costume or bah mili bah les qui coûte na bah kuluna bah on kuluna bah iba bah on bah descend na ibisio que la politique d'or a rendu bah millions ne na ibisio bah toi na bah ko le lanza la na kintuka bah ko le lanza la na bah mikondo bah ko zanga mai yo kakao bah millions ko bungaka notre nous avons cette obligation là, ce devoir là de changer cette classe politique. À venir à cash au moment à mon ennemi. Premièrement, il faut que cash baye baki. Ce ne sont pas eux qui sont les détenteurs du pouvoir. Ni cash, ni FCC, ni la mouka. Batouan a nyon soana, baza va détenteur à pouvoir qui. Le détenteur de pouvoir, ce sont le peuple. Détenteur primaire. Oui. Ceux qui les lots, mon konzamboka actuel, hein, a boy l'oronyon soana cash. Mais s'il rassure la population, ceux qui a sali social la population ils à la kitoko, ceux qui a lité contre la corruption au nyon soto au mona lelo, ceux qui ba mi binyon soana ba to nyon so ba faire ya ba yuma faire ya ba mi binyon so ba ibi nyon soto nyon so yo ba ibi mbongo ba ke boloko ata ceux qui lelo yé moko atikali yé moko mais à rassurer population na yé na social na yé na ibiso ya solo ke mboka oyo ekokende liboso. D'accord ngana yo ke na Congo na biso ko gagner élection yo moko ya lipasi. To ebi ete INC e participé makasi na victoire ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. O komona te ke lelo soki INC s'est décidé et s'est retiré e kozala problème moko te to occasion moko ya fragilisation pona I de PES na ba élection yo ko ya na 2023. Question on a beaucoup répondu on a deux volets. Premier volet, il faut y baquer. Système où y a kala ezalaki. Système y a que montona montona tirer kaka intérêt na profit à intérêt na yé. Bah comme ici qu'on doit pouvoir na copé sa kanyaga, copé sa mbongo na population, copé sa bango ba t-shirt. Mais ceux qui bissent population, non, c'est ça le problème. Il faut que nous, en tant que citoyens, en tant que peuple, to changer d'abord ma mentalité, to soutenir ba valeur, to soutenir na muntu oyo aza na vision pour na mboka, to soutenir muntu azo ya na politique ou bien azo ya epesa biso ba polo wana pona intérêt na ya individualité. Il faut que la population d'abord prenne conscience du danger, prenne conscience à qui faire confiance et cette personne là à quelle valeur démocratique ou à quel intérêt oyo azo meme la biso. Pour que mboka na biso nyonso ekende liboso, ce n'est pas un individu, hein, na biso ce n'est pas un individu pour gagner élection, faut qu'aga ozala attaché na parti politique X ou Y, ozala isanga d'ailleurs parti nyonso politique wana, il y a aucun parti politique qui peut compter pas moins de 10 000 adhérents. C'est une carte de membres, 10 000 beaux. Bazana, na biso parti na Congo, papa, ça en caractère tribal, c'est totali le lot. INC to yepi eza robon bate baza makasi kota est. Na ebiso boy. Yepi de pes baza kota ouest, Kasai, tout ça. Papa, est-ce que rassure que INC wana moko na est wana? UNC aza 100% UNC na est. Bati pa lobela ya est. Ya bati, ya pe perde, ya pe UDPS donc eza ndengo wana. Oyebi se biso ke boyebi se biso ke pour muntu akanye ko election na kati ya mboka il faut ka azala ko na ba coalition na non non makamwana il faut muntu wana aya na projet de société viable, projet de société moko oyo ezo convaincre population ata sur azala mbongo te mais soki azana makanisa bien a kolongwa ba election awa. Alors to longola ba to zala ba fanatique te makamwana nde ezo bomba bomba Congo na biso lelo. Non, mon tutel a sa force poids politique na est, a sa poids politique na Kasai. Non, biro wana il faut élungo. Ah, ça interpeller oyoka nous les ressortissants de c'est ça, ça ce sont les diaries. Ce sont le baza on a bien avant ba bien avant ba nani ba dialel hein ba linga dialelo. Donc ce sont les opportunistes, les gens qui tirent leurs propres intérêts. Mais nous, on n'est pas là pour prêcher ça. Nous, on est là pour prêcher aux citoyens d'être éveillés, de savoir comment l'État fonctionne, de savoir comment leurs droits sont peut-être respectés ou pas, de savoir comment aussi
faire de sorte que leur devoir en tant que citoyen qu'on fout à ma taxe qu'on fout à donc qu'on ça là bah maramonyo sont citoyens bah il m'appe et le bosso moi qui n'ai pas le bosso là mon côté même nous aussi on a un grand rôle il faut tout contrôler pe batunyo soana tout contrôler bah on yo on fout à pe ma taxe mais au lingi karaké président asale la yo Joseph Ondo Tchankoy yo zali politologue. Po bima na na kilasi ya monene ya Unikin tenu to yeba est-ce que ba retomber néfaste kozala te si jamais INC a se décidé ya ko se désolidariser na baninga o ba ko tambula elongo IDPS. Bon, la question wana ezo dépendre d'abord na stratégie il y a chaque parti politique où ils ont formé coalition il y a cash. Les lots bato kamere et bako zoa décision que tous se détaché ou désolidariser na ndeko na biso Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais ce qui yepe à lomimbo loko nga na kabwani na bango nga na lukasiko ba parti mususu na ça la coalition na ngana bango puisque il faut comprendre un politicien congolais ce n'est pas puisque ils sont de l'UNC que aujourd'hui Vital Kamerhe dit à tous les ministres et à tous les militants de l'UNC de se détacher à la coalition CASH que CASH ne doit pas survivre. Là, j'ai dit non. Là, j'ai dit non, puisque il y aura toujours des hypocrites. Mais il y a Atikali. C'est-à-dire que hypocrites, en soif du pouvoir, en soif en bongo, bakotikala, bakotrahir Ndeko et Vital Kamerhe. Trahison et causale. Même au sein des partis politiques, wana. Trahison et causale. J'aimerais aussi compléter une chose. Nandenge ya lobaki que Moutou a koki kozwa élection sans toutefois à s'allier na ba parti mususu. Là j'ai dit non en tant que politologue. Ata so wazanani yomoko okoki ko gagner élection te parti moko te na mboka oyo ke nga moko parti songoloto pakala na kende election nga moko et puis non ça je parle d'une réalité de la politique africaine, je parle d'une réalité purement africaine, non je parle d'une réalité politique africaine et en RDC, oui, et en RDC en particulier puisque il peut me dire parmi le président Nyonso au Bayan Mbukilo Namboka na biso ayebisanga bwazala kana alliance ayebisanga président moko o ya leka ki na mboka oyo na parti na ye moko abi na moko masala ki alliance mobutu asala ka ba alliance belé hein oui a gagné ki masala ki alliance ka savu masala ki alliance na batalumumba mobutu asala ki alliance mais non. Après coup d'état na ya sala ki élection. Mais élection ni na malonga et élection ni na malonga et sala mako yo kuki kondima wana. C'est-à-dire que en Afrique cette culture est toujours que pour mouto gagner élection il faut s'allier. Mon cher, on dit l'homme n'est fort qu'avec son frère. Ça c'est un proverbe purement africain. L'homme n'est fort qu'avec son frère. C'est-à-dire ata au pati ngamoko na kobeta muto na kobeta muto mais tango ko mona ndeko na yo ato banda ko banga soko monika ndeko na ya bimeli deja ozui makasi yango pe na politique na biso ya Congo mutu moko ta kosa yo atanenga zolo baboy mais pour me montrer cette puissance j'aimerais voir l'UDPS partir aux élections en 2023 sans s'allier en d'autres partis politiques total si réellement hormis la tricherie total si réellement l'UDPS va gagner les élections. Sinon moi l'amboka to comme pe na suka to nto yo ka ba dernières impressions na yo affaire confinement za la namboka au lobby mini concernant yango. Bon, na mukuse ya po ba signaler na minute. En tout cas na mukuse affaire confinement na ville ya Gombe
J'avais dit autrefois que c'était en même temps une bonne et une mauvaise décision. Une bonne décision dans quel sens? Dans le sens que le Kola Gombe est un centre il y a épidémie, c'est-à-dire que bato baza ko bela bokono ya coronavirus baza mingi na Gombe et que toute la presque la moitié de la population ya Kinshasa bakendaka ko sala ka bajenda na bango moi misala na bango ya maboko ko kendaka na bazando puisque zando za une partie za pe na Gombe donc ba risque eze belé que bato ba va se propager na maladie wana. Mais mabé dans quel sens tango ba loba kimbala moko ke Gombe ko za la confiné to mona ki même chez moi mon voisin a logé bato ya Gombe donc ba banda ki déjà ko kima na Gombe ko ba na ba commune mususu mais soki bazana ba malade na bango ba yé na ba commune mususu po ba kimi confinement au monité que c'est un danger donc il fallait maintenant que l'état prenne une bonne décision mais il fallait analyser les mesures pour éviter biloko wana puisque c'est un risque vraiment oeza ezo gete bato ya environnement o bato Gombe bakimi ko baya ko se de baya ko ko batama na kati ya ba commune. Merci mon amboka tokozongela yo, je pense que c'est peut-être une première fois mais la dernière fois te maître Alain soko ki kozala na mwa maloba koloba na ba réaction par rapport au mwa la mboka lobi pe oloba maloba suka o ya yo pona makambo etali confinement na mboka ba mama ba kolela nzala ba kote kate dernièrement awa tout est relaxé même na image deni ba mama ba kolela ba biloko zo ya mukie tout ça biloko mati talo na ba wenze yo etant que activiste bino bo pronaka amélioration ya vécu quotidien un peuple congolais au kolobanini concernant yango. Merci beaucoup pona mutuna na lingana ebisa ndeko na biso que ngana na soutenir parti politique atant mon côté ao mais ngana soutenir montonyo soza na bavalère montonyo so azana souci ya population une structure fiable qui cadre dans pour faire émerger notre pays. Alors les lots dans Olobaki, ce sont les alliés qui peuvent faire gagner les élections c'est à un individu. Dans le sens où c'est une stratégie. Moi je vous dirais non. Chacun est leader dans son coin. Je vous dirais non. Je vous dirais non parce que ce sont deux choses, ce sont des stratagèmes que nos dirigeants passés, nos futurs dirigeants nous ont amenés. Hein? Il, à partir de ça, c'est ça aujourd'hui qui nous a un peu là divisé. Aujourd'hui, on parle du tribalisme, on parle de quoi que ce soit à travers Bamakamwana. Bamakamwana. Alors, nous devons beaucoup plus soutenir toute structure ou toute personne qui défende de valeurs, qui défende l'intérêt général. Alors, à propos du coronavirus, moi, je fais que lancer un message. Ce message-là, c'est le même message que le mouvement Filimbi est en train de mener, la campagne de sensibilisation de la population pour prendre à mesure, pour prendre en cause toutes les mesures prises par l'OMS, par nos autorités, de bien vouloir laver vos mains pendant 30 secondes, de bien vouloir être à la maison, vous confiner, c'est une meilleure stratégie pour éviter cette maladie. Comme vous venez de le suivre, je dis un grand merci à l'équipe technique qui m'ont accompagné et aussi à insister, dire un grand merci à cet artiste qui a aussi assisté à notre enregistrement de cette émission, Nicodem, cet artiste qui fait la fierté au sein du Wenge Musica Maisomère et aussi consommer la chanson Kokoko de cet artiste au sein de cet album. Fleshingeta, formidable. Donc, quant à moi, je dis un grand merci. Restez branchés sur votre chaîne Média Plus Télévision. Au revoir.